ce soir à un avis de recherche très spécial chez vous, en compagnie d'une jeune fille charmante, l'avis de recherche que vous attendiez tous, en compagnie de la Cicciolina. Ah, je suis très heureuse, Cicciolina, très heureuse. Tu es beau, tu es chaud. Enlève tes mains, cochonne. Je suis heureuse. Madame, monsieur, nous allons regarder tout de suite, Cicciolina, votre photo. Oui. C'est une photo magnifique. Je voudrais qu'on voit la photo en antenne, s'il vous plaît. Vous vous souvenez bien de cette soirée? C'est formidable, je me souviens. Je leur avais fait à toutes des très bonnes... Des pâtes, vous leur aviez fait. Vous leur aviez fait des pâtes. Tu es beau. Alors, j'ai une surprise pour vous, Cicciolina. Ils sont tous là. Ah, c'est formidable. Ils sont tous là, à part deux qui ont tenu quand même à être là à leur manière, puisqu'ils appellent, là, nous les avons au téléphone. Alors, je crois que nous pouvons prendre, vous allez voir, c'est très bien, le premier appel. Premier appel. Eh, bonsoir, je suis le numéro 17 et j'ai tenu à garder la Monina. Oui. Et ne pas qu'on sache qui c'était, moi, Guy. Et je voudrais remercier pour cette merveilleuse soirée la Chicho et ainsi que Lina pour ces merveilleuses images d'archives. Très bien de lui. Ah, il bon. Avait une nez très grosse. Une très grosse villa. Il a une très grosse villa, nous le connaissons très bien. Si. Il a une très grosse villa sur la Côte d'Azur. Ah, nous prenons le deuxième appel tout de suite. Deuxième appel. Allô? Oui, je suis le numéro 9, 10 et 11 sur la photo. Mais je suis au centre, légèrement vers la gauche. Encore merci, Cicciolina, pour cette excellente soirée. Vous vous souvenez aussi de celui-ci? Oh, je me souviens très bien de lui aussi. Alors lui, il avait une toute... Mais alors, une toute petite... Voiture, Cicciolina. Il avait une toute petite voiture, nous le connaissons très bien. Alors, Cicciolina, je crois... Je crois qu'il est temps que vous alliez rejoindre vos amis qui sont là. Levez-vous, allez-y. Allez-y. Je vais parler aux téléspectateurs pour leur dire que nous ne pouvons pas bien sûr leur faire voir tout ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses quand même. Et je crois que d'ailleurs moi aussi, je vais...